Bonsoir à tous. Merci pour l'accueil. Vous savez, je suis content. Je suis content d'abord de jouer avec vous. J'adore ce jeu. Je ne m'en lasse pas. Ça fait plus de 3 ans maintenant et c'est un bonheur quotidien. Donc je suis content de vous retrouver parce que c'est le week-end, on fait ça ensemble. Et puis je suis content pour autre chose parce que le samedi, eh bien, on retrouve des champions, ces super champions. Donc ce sont des champions, les championnes qui ont déjà joué, gagné. Je suis content de les retrouver. Par exemple, Zoé qui joue avec nous ce soir. On a joué ensemble il y a quelques mois de Saint-Projet. Dans le Lot, Saint-Projet, c'est joli. Nicolas vient de Fronton, en Haute-Garonne. Je me souviens très bien lui aussi. Marie est de retour, championne également, 26 ans seulement, depuis pas très longtemps. C'est la Parisienne de l'étape. Et on retrouve Stéphane. Ça fait, oula, ça fait 19 ans qu'il n'a pas joué et il revient. Et c'est sympa de le retrouver. Bonsoir à tous, comment ça va? Très bien. Je le disais, je suis content de vous retrouver, c'est très sincère. Parce qu'on a déjà vécu des choses ensemble, avec parfois des sensations fortes, et puis des belles choses comme des victoires, Zoé. Oui. Combien? Une, deux, trois? Deux victoires, deux. Et après je me suis auto-sabordée. À quel niveau? Oh oui, il y avait le... Enfin, c'était à cause de la 4 à la suite. C'est 4 à la suite, moi, c'est quoi? C'est un mauvais choix Oui, un mauvais choix. Et puis, il y avait une question clé que je n'ai pas compris. Pourtant, oui, c'était tout à fait oui, compréhensible. Oui, j'ai encore mal articulé, c'est ça? Non, c'était pas votre faute. Deux victoires, c'est beau, Zoé. Et puis, oui, et puis super contente. Champion aujourd'hui. Je vous souhaite le projet d'aller très, très loin. Zoé. Merci. Et merci d'être avec nous. Merci. Nicolas, comment ça va? Ça va. Toujours journaliste? Toujours. Toujours passionné de sport? Oui. De métal aussi? Oui. Le métal, la musique, hein. Métal, le hard rock, oui. Depuis l'adolescence, hein. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme groupe? Il y en a des groupes sympas? Ouais, Metallica, Slayer. Les grands classiques. Oui, après, oui. C'est vrai que je suis un peu resté bloqué sur les années 90-2000. Ah, bah, moi aussi, hein. Alors, moins, comment dire, classique, il y a un groupe français un peu rigolo. Un peu dans le métal toujours, mais parodique. Oui, c'est Ultra Vomit. Ce sont des Nantais. Ultra Vomit. Ce sont des Nantais qui parodient, mais avec une grande qualité. Quoi. C'est pas uniquement de la parodie. Non. Il y a vraiment mélodiquement, certains vont dire que non. Si, mais, c'est bien fait. Mais c'est bien fait, la musique est très très bonne. Ouais. Voilà, donc c'est tapez sur Internet par curiosité, vous tapez Ultra Vomit avec un T à la fin, vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Et bonne chance, Nicolas. Merci. Alors, en discutant avec Nicolas, on s'est rendu compte tout à l'heure, parfois la vie a ses hasards, et c'est ça qui est rigolo aussi, que Nicolas, votre femme est enseignante en... Professeur de maths. En mathématiques. Et Marie, vous avez eu l'épouse de Nicolas en professeur. Oui, tout incroyable. À fait. Donc c'était quand? C'était en 2005-2006. Waouh. Et vous en êtes rendu compte là quoi? En discutant comme Oui, ça, en discutant. On s'est rendu compte que, ben, parce que j'habite à Paris, mais avant j'étais dans le Tarn-et-Garonne, donc à Grisolles. Oui. Donc vous parlez de ça. Et voilà. C'est drôle. Et alors évidemment, c'est une super prof. Ah, mais bien sûr. La meilleure prof que vous ayez jamais eue. C'est une très bonne. Et c'était une excellente élève. Eh ben c'est drôle cette histoire. Marie, bienvenue, donc parisienne aujourd'hui, élève conservatrice du patrimoine. C'est ça. En poste dans quelques mois. Tout à fait. Un poste de... vous savez déjà un petit peu d'ailleurs, ce sera dans un dépôt d'archives. Oui, en archives départementales. Ah, c'est votre... c'est ma spécialité. Marie, bonne chance pour ce soir, je suis heureux de vous retrouver. Stéphane, alors ça c'est sympa parce que vous m'avez dit tout à l'heure que la dernière fois que vous avez joué à ce beau jeu, c'était en 2000. Eh oui, presque le siècle dernier. Presque. Limite. Tout dépend comment on compte d'ailleurs. C'était avant l'euro. Oui. Donc ça veut dire que vous avez gagné des francs à l'époque. Non, je n'ai pas gagné de francs. Voici, vous êtes champion. Ah, je n'ai pas été jusqu'au bout, j'étais une fois champion. Donc, bon. Mais merci de revenir. Oh, ben, c'est avec plaisir, et puis avec plaisir de jouer avec vous. Mais merci Stéphane. Et j'espère que vous avez bien gardé la main. J'espère aussi. Bonne chance Stéphane, bonne chance. Alors, l'un de vous affrontera tout à l'heure, et pour lui c'est une partie un petit peu... encore un peu plus particulière que d'habitude, notre super champion, il s'appelle Michel. Allez, on va l'accueillir, Michel, qui vient jouer avec nous depuis Sion, en Suisse, chaque samedi, et voilà. Michel, depuis un petit moment. Depuis 5 maintenant. C'est chez vous. C'est son 5e samedi parmi nous. Autant dire qu'à côté de son buzzer, il y a quasiment son rond de serviette, hein, Michel. 5e samedi. Il disparaît pendant la semaine. Mais ça veut dire 4 victoires. Et ça veut dire aussi... que je ne vais pas trop le dire ce soir, parce que je ne veux pas lui mettre la pression, mais je suis obligé de le dire une fois, au moins en début d'émission. Ça veut dire que si Michel remporte une 5e partie ce soir, c'est 50 000 euros, la cagnotte de Super Champion, qui est pour lui.
Et on serait tous très contents pour vous, bien sûr, Michel, mais il faut gagner, notamment cette finale. On va retrouver Michel en finale. Le super champion ne joue que la dernière épreuve et l'un de ces quatre candidats sera face à vous. Bonne chance, Michel, pour ce soir. Merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez jouer et gagner, je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. C'est pas mal quand même, c'est vous qui choisirez. Mais il faut gagner d'abord. La question de ce soir, de quel instrument jouait Frédéric Chopin ? 1. Du banjo. 2. Du piano. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et attention les amis, parce que le tirage au sort a lieu ce soir. C'est parti pour la première manche, 9 points gagnants. Il y a 4 manches ce soir. Voici la première, 9 points gagnants. Allumage des buzzers de Zoé, Nicolas, Marie et Stéphane. Et première question. Dites-moi d'abord, pour un point en zoologie, quel terme désigne un ensemble d'oisillons nés en même... Nicolas. Une couvée. En même temps, c'est une couvée ou une nichée, exactement. Couvée, nichée, un point. Dites-moi maintenant pour 2 points, quelle ville est la capitale de la République de Chypre ? Nicolas. Nicosie. Et la bonne réponse, 2 points. 2 points, Nicolas, 3. Attention, elle est importante, celle-ci, c'est la première question à 3 points. En agriculture, quelle légumineuse donnant des petites fleurs violettes plante-t-on dans les champs pour enrichir la terre en azote ? Zoé ? L'alfalfa ? Non. Cette légumineuse qui donne des petites fleurs, Marie ? La luzerne ? Violette, c'est la luzerne. Exactement. 3 points. Quelle saucisse de porc fréquemment consommée lors des barbecues ? Stéphane ? Chipolatas. Oh, oui, exactement. Au singulier, chipolata. Au pluriel, parce qu'en général, c'est meilleur quand il y en a plusieurs. Tout à fait. Amateur de barbecue, Stéphane ? Oh, oui. La chipolata, qui doit son nom à l'italien signifiant « mais à base d'oignon ». Compteur débloqué également pour Stéphane. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, c'est pas mal. Est-ce que ça vous parle, ça ? Un petit indice et une petite explication, et puis je vous pose la question. C'est Pinball Wizard, c'est une chanson des Who, en fait, qui est sortie. Ouais, Stéphane, Ah oui, non, mais bien joué, Stéphane, mais c'est pas la question qu'on se pose. Donc, les Who, sortis en 69, qui raconte les exploits au flipper d'un jeune garçon qui est sourd, muet et aveugle. Dans quel opéra rock, Nicolas ? Tommy. Des Who, Tommy, avec deux M. Devant son nom, à ce jeune héros qu'on évoquait, là. Ce champion de flipper, cette chanson est-elle extraite ? C'est Tommy, tout à fait. Un peu de cinéma maintenant, après la musique, en 2013, dans le film En solitaire, quel comédien français ? Nicolas ? François Cluzet. Oh là là ! La belle série de Nicolas. 3 points, Nicolas. Pour François Cluzet, qui incarne un navigateur du Vendée Globe qui découvre un clandestin à bord de son bateau. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Avec... Parce que normalement, dans une course en solitaire, on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un. C'est toute la, voilà, une réflexion autour, bien sûr, puis de l'immigration aussi. François Cluzet, bravo. Nicolas, qui n'est qu'un point de la deuxième manche. Pour concurrencer le tourisme de masse en Espagne, quelle station de l'Hérault est construite à la fin des années... Nicolas. La Grande Motte. Allez, hop. Nicolas, deuxième manche. C'est la Grande Motte. Deux places encore à prendre pour Zoé, pour Marie, pour Stéphane. Pour le 4 à la suite, dans la mythologie grecque, quel devin aveugle intervient par de nombreuses prophéties, Marie ? Tirésias. Oh, joli, Tirésias, 2 points. Dans le cycle légendaire de Thèbes, Tirésias. Un peu de science, quelle unité de mesure d'intensité du courant électrique ? Stéphane ? Ampère. Ampère a pour symbole la lettre A, ampère. 2 points de plus, en 1420, Zoé, Marie, Stéphane. En 1420, quelle épouse de Charles VI, née à Munich, reconnut le roi d'Angleterre ? Marie ? Isabeau de Bavière. 2 points de plus. C'est l'un de ses points forts, Marie, passionnée d'histoire. Quelle épouse de Charles VI, née donc à Munich, reconnut le roi d'Angleterre comme héritier du trône de France, au détriment de son fils, Isabeau de Bavière. Isabelle de Bavière, très bien. Quel petit rongeur, question animaux, de la famille des cris, cétidés, vivant dans les régions boréales, voisin du campagnol, et reconnaissable... Lemming. Le lemming, exactement. Reconnaissable à son pelage brun marqué de noir. 2 points pour vous, Zoé. En avril 2019, c'est du sport. Quel golfeur américain a remporté Zoé ? Tiger Woods. C'est lui, c'est le grand champion, Tiger Woods.
a remporté le Masters d'Augusta pour la 5e fois de sa carrière, et on en a parlé de cette victoire, puisque Tiger Woods, il était donné comme oublié, perdu pour ce sport, après un peu de frasque aussi, et puis des blessures à répétition, il est revenu au meilleur niveau. Personne n'y croyait, et c'était là, en avril 2019, ça faisait 11 ans que Woods n'avait pas gagné un tournoi majeur, et avec cette 15e victoire dans le tournoi du Grand Chelem, eh bien, il se rapproche d'un grand record, en fait, qui est détenu par Jack Nicklaus. Dans quelle série télé, je sais qu'il y a des amateurs de séries parmi vous, lancée en 2007, série télé 2007, suit-on le quotidien de deux familles aux méthodes éducatives opposées? Marie? C'est pas si, fais pas ça. C'est pas si, fais pas ça. Deux points, Marie, vous êtes en deuxième manche, oui. En deuxième manche, le super champion. Fais pas ci, fais pas ça. Tout va se jouer entre vous, Zoé, 4 points, Stéphane, 3 points, pour la dernière place à prendre pour le 4 à la suite. Quelle locution adverbiale évoquant le toucher signifie que l'on avance dans l'obscurité avec prudence et c'est Zoé qui a été la... Ah, t'es la plus rapide et m'a donné la bonne réponse. À tâtons. Stéphane, vous l'aviez aussi, hein? On a vu Zoé et Stéphane buzzer en même temps et puis Zoé a été un tout petit peu plus rapide. À tâtons. Quel petit pain. Oh, vous l'avez, ça va jouer vite aussi, là. Quel petit pain en forme d'anneau et dans sa version new-yorkaise. Bagel. Vous avez encore buzzé tous les deux ensemble, mais c'est Zoé qui a été la plus rapide. Zoé, deuxième manche, bravo. Merci Zoé. Alors ça, Stéphane, c'est un peu rageant. Parce que, notamment sur les dernières questions, là, on pourrait, si vous avez le replay à la maison, repasser. Stéphane, il buzz quasiment en même temps à chaque fois. Ouais, mais 20 ans, voilà, je suis rouillé. Manque d'entraînement. Mais quelle idée de revenir aussi, pour revenir plus souvent. Ben, réinvitez-moi. Mais Stéphane, mais ce sera avec plaisir. Pour moi aussi. Bon, ben Stéphane, alors, le rendez-vous est pris. Vous revenez dans pas trop longtemps, puisque là, on s'est un peu dérouillé. Ouais, là, maintenant. OK. Bon, ben, ce sera avec grand plaisir. Et puis, bon retour à Saint-Herblain, en attendant. Merci. Et un petit coucou à Noémie aussi. Oui. Je vais vous faire un énorme bisou. Merci Stéphane. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez cactus, plante verte ou à fleurs, légumes ou orchidées, ces trois livres vous proposent des compositions inspirantes qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. On joue, on continue de jouer. Cette question, elle n'est que pour vous. À la maison, pour gagner, ça n'est pas rien, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Voici la question. De quel instrument jouait Frédéric Chopin? Deux possibilités. Un, du banjo. Deux, du piano. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7-10-20, tirage au sort ce soir, les amis, parmi les bonnes réponses. Zoé, bravo. Marie, bravo. Nicolas, bravo. On continue. Deuxième manche. Alors, ce qui est sympa, là, maintenant, quand j'annonce les thèmes du 4 à 8, c'est de regarder les visages des candidats. Parce que parfois, il y a de la joie. Parfois, il y a la... On joue avec « Été » dans les titres de livres. « Roche et rocher » en géographie. « La France » à l'époque du Victor Hugo. Alors là, je vais vous aider parce que je vais préciser les dates. Victor Hugo, né en 1802 et mort en 1885. C'est pour vous situer un peu. Thème mystère, bien sûr. Voilà, les candidats sont restés impassibles, justement. Ils ne m'ont pas trop montré là, ce qu'ils en pensaient. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer la France à l'époque de Victor Hugo. Essayons, Nicolas. Essayons, et voire même mieux. La France à l'époque de Victor Hugo. On y va? On y va. Allez. Le 18 juin 1815, alors que Victor Hugo a 13 ans, quelle bataille provoque la chute définitive de Napoléon Ier? Waterloo. 1837, après avoir collaboré plusieurs années avec Nicéphore Niépce, quel inventeur français définit le tout premier procédé photographique? Nadar. De 1848 à 1851, sous quel régime durant lequel Victor Hugo dénonce des atteintes? En 1862, année de l'apparition des Misérables, dans quel pays d'Amérique les troupes françaises débarquent-elles en janvier? De 1811 à 1827, quel ancien bagnard dont Hugo se serait inspiré pour créer le personnage de Valjean était à la tête d'une brigade de sûreté? Vidocq. En mai 1871, quel gouvernement insurrectionnel formé à Paris est renversé au cours de la semaine sanglante? Eh ouais. Alors là. Nicolas, touche une bille au 9 points gagnants. Et puis alors le 4 à la suite, là. Nicolas, mais vous êtes en forme aujourd'hui. Mais le thème allait bien. Ouais, le thème allait bien. Alors vous m'avez dit Nadar. Oui. Pour cette question,
Donc on est en 1837, toujours la même période. Après avoir collaboré plusieurs années avec Nicéphore Niépce, c'est Daguerre, vous avez retrouvé. Quel inventeur français définit le tout premier procédé photographique? C'est Daguerre, et ça a donné d'ailleurs... Daguerréotype. Daguerréotype, exactement. Nicolas, un 4 à la suite. Félicitations. Eh bien... On est d'accord, Marie, que Nicolas, ce soir, est en pleine forme. Marie, trois thèmes encore. Au choix, été dans les titres de livres. Roche et rocher en géographie. Alors, je sais que, comme Nicolas, l'un de vos points forts, c'est l'histoire. D'ailleurs, vous l'avez montré sur plusieurs questions tout à l'heure. Et le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Marie, venez, on va voir ce que c'est ce soir. Marie, parisienne aujourd'hui. Oui. Mais pas d'origine. Non, Tarn-et-Garonnaise d'origine. D'accord. Alors Tarn-et-Garonne, est-ce que ça va vous parler, ça, les mots d'origine provençale? On va essayer. Les mots d'origine, c'est pas tout à fait le même sud, on est d'accord. Mais les mots d'origine provençale, des mots rentrés dans le langage courant. Donc. Marie, on y va? C'est parti. Écoutez bien, je le disais, chaque mot de la question. Top. Lorsqu'il hiberne, quel gastéropode dont le nom est issu du provençal se rétracte à l'intérieur de sa coquille qu'il bouge par un voile muqueux? Oui, quelle pluie fine, formée notamment par les vagues qui se brisent et désignée par un nom le plus souvent pluriel issu du provençal. Formée par les vagues qui se brisent. Non, je passe. Quel le terme argotique employé le plus souvent en pluriel pour désigner les pieds est issu du provençal signifiant griffe? Je passe. Quelle corde à laquelle sont suspendues des lignes munies d'hameçons pour la pêche en mer est désignée par un mot emprunté au provençal? Je passe. Quel mot dérivé de l'ancien provençal désigne une petite serrure mobile munie d'un arceau métallique qui permet de boucler une chaîne? Je passe. Quelle préparation à base d'olives broyées avec des capres et des aromates est désignée par un mot issu du provençal? La tapenade. Un point, deux fois un point en fait, mais un point. Ah. Je pense que vous en aviez d'autres. Un point l'escargot, un point à la tapenade, mais c'est retombé à zéro entre les deux. Je pense que vous en aviez d'autres, comme par exemple cette petite serrure mobile munie d'un arceau métallique. Un cadenas? Bah oui, qui permet de boucler une chaîne. Plus difficile, la corde, Nicolas, Zoé, l'avez-vous, à laquelle sont suspendues des lignes munies d'hameçons pour la pêche en mer. Ça vient d'un mot provençal aussi, bien sûr, c'était le thème. Ça vous dit quelque chose? La palangre. Pas facile. Quel terme argotique employé le plus souvent au pluriel pour désigner des pieds? Oui, oui, Nicolas. Arpions. Les arpions, exactement, les arpions. Un arpion, des arpions. Et, vous l'avez, Marie, quelle pluie fine, formée notamment par les vagues qui se brisent, et désignée par un nom le plus souvent au pluriel, issu du provençal. Donc au bord de la mer, parfois on reçoit un peu de l'humidité. C'est brun. C'est les embruns. Les embruns. Les embruns. Marie, un point, ouais, tout va dépendre de Zoé. Merci, Marie. Bon, Nicolas, 4 à la suite. Attendez, Zoé, je vais vous faire choisir. 4 à la suite. Non, non, je vais vous faire choisir Zoé d'abord. Oh, Zoé, elle est pressée de jouer, elle est pressée de jouer, j'adore ça. Désolée. Mais ne soyez pas, mais il faut que je vous fasse choisir. Zoé, je vais vous faire choisir. Donc on a un thème autour de la littérature, été dans les titres de livres, ou alors plutôt de la géographie, roche et rocher en géographie? Roche et rocher. C'est parti. Roche et rocher. Et attention, parce que moi, je sais que l'un des points forts de Zoé, c'est la géographie, justement. Oui? C'est vrai? Oui, mais ça, c'est la géologie, non? Roche et rocher en géographie. Ah, ça, attention. Ça va. Oh, that's okay. C'est hein? Bon. C'est encore mieux. Oui, 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 c'est bien. Je peux changer, peut-être, si vous voulez. Peut-être, c'est bien. Gibraltar. J'adore. Zoé, elle va commencer à me donner les réponses avant que je pose les questions. C'est un nouveau concept, c'est super sympa. Roche et rocher en géographie, je prends les questions, Zoé, au moins une bonne réponse. Et vous êtes dans la course. Prête? Oui. Attention. Top, quel territoire britannique situé au sud de la péninsule ibérique abrite un rocher de plus de 400 mètres de haut? Gibraltar. Quel escarpement calcaire de Saône-et-Loire culminant à près de 500 mètres a été médiatisé par François Mitterrand durant sa présidence? Rocher de Solutré. Quel nom donne-t-on à la cité monastique grecque de Thessalie, érigée depuis le XIIe siècle au sommet de Haut Piton de Tuf? Je sais ça. Cité monastique grecque de Thessalie. Ouais. On passe. Passant. Quel le parc national de l'Utah, devant son nom à un mormon, est renommé pour son paysage fait de roches colorées aux formes coniques?
Bryce Canyon. Yes. Quel petit état d'Europe méridionale enclavé dans le département des Alpes-Maritimes est implanté le long d'une côte rocheuse? Petit état d'Europe méridionale enclavé dans le département des Alpes-Maritimes. Monaco. Ben oui, c'est Monaco. 2 points. Zoé qualifiée. Alors Zoé, c'est drôle. C'est drôle ce qui s'est passé parce que Zoé, on évoque le thème, Roche et Roger en géographie. Ah oui, bien sûr, Gibraltar. Première question, Gibraltar. Et puis, il y avait le Bryce Canyon, vous l'aviez, bonne réponse. Et la Roche de Solutré aussi, rendue célèbre, bien sûr, par l'ascension annuelle qu'en faisait l'ancien président François Mitterrand. Oui, oui, oui. Et celle-ci, alors, Nicolas-Marie, ça vous dit quelque chose? Quel nom donne-t-on à la cité monastique grecque de Thessalie, érigée depuis le 12e siècle? Non. Nicolas? Météore, je sais. Oh, les météores. Les météores, exactement. Zoé, bravo, vous êtes qualifiée. Merci. Félicitations. On a l'affiche du face-à-face. Marie, le thème mystère, c'est comme une boîte au chocolat. Exactement. Parfois, on tombe sur un super truc, parfois sur un truc... Oh, là, c'était plus de blabla. Marie, un grand merci. À très bientôt, j'espère, et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce lot de valises tendance et élégante. Bon voyage avec Mesbagages.com. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Qui sera celui ou celle qui va défier Michel? 4 victoires à super champion déjà. Tout à l'heure dans la finale, la réponse est maintenant. Et c'est entre Nicolas et Zoé dans le face-à-face. Zoé, Nicolas, c'est le face-à-face. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Hein, quand même, c'est merci. Une partie du chemin. Il reste encore une étape. 20 secondes, hein, c'est le temps qu'on a, que vous avez à la maison aussi pour répondre à chaque question. Et on 4, 3, 2, 1. Imaginez, plus le temps passe, moins ça rapporte 2 points. La stratégie. Est-ce que je garde? Est-ce que je laisse la main? À chaque fois, il faut se poser la question. Et l'objectif, 12. Le premier, la première à 12 points, remporte face à face et affronte Michel, notre super champion. 4 fois déjà. Comment ça va, Michel? Ça va très bien. Bon, je ne l'ai dit qu'une fois depuis le début de l'émission, je me permets de le redire. Je ne l'écoute pas. Voilà, bouchez-vous les oreilles, parce que je ne veux pas mettre la pression à notre super champion. 4 victoires déjà, une petite victoire encore ce soir, et c'est 50 000 euros pour Michel. A tout de suite, Michel. Je prends les questions, Nicolas, avec ce joli 4 à la suite, signé là, la main pour la première question. On parle d'histoire. L'un de vos points forts à tous les deux. Je prends la même. Allez, histoire. Nous cherchons... Top, cet ancien territoire. Doté d'une constitution le 31 mai 1911, j'avais été créé 40 ans auparavant et transformé en terre impériale. Ayant vu émerger l'idée de revanche chez la population des deux côtés de la nouvelle frontière durant mon occupation, j'étais rendu à la France par le traité de Versailles. Avant d'être... La Sarre? Non. Top, avant d'être réoccupé par l'Allemagne. L'Alsace? Je continue? La main passe. Top territoire dont faisait partie l'intégralité du département du Bas-Rhin. L'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine. Vous avez marqué une pause, Zoé. Et donc c'est l'Alsace-Lorraine. Un petit point, Nicolas, pour démarrer ce match. Zoé retrouve la main. Zoé, culture générale. Oui. Culture générale, nous cherchons, Zoé, ce top motif. Caractéristique du travail de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Je me suis répondu au 19e siècle. Les petits pois. Vous connaissez le travail de cette artiste japonaise? Oui, j'ai vu une exposition. Attends, elle était, oui. C'était quoi? C'était une exposition? C'était sur la 5e avenue, ça prenait une ou deux vitrines. Oui. Et puis donc j'ai lu sur elle... très intéressante artiste. C'est une œuvre qui vous a interpellé parce que... Oui, c'est très intéressant. La suite de la question. Associé dans les années 40 au maillot de bain de pin-up, hein, comme Chili Williams, Marilyn Monroe, je constitue le motif de la jupe de Minnie Mouse aussi. Composé de points ou de ronds de même taille et de même couleur, associé à la robe des danseuses de flamenco par ailleurs, au maillot du meilleur grimpeur du Tour de France, ça vous aurait parlé, Nicolas. Je suis le poids. Zoé, 4 points.
Bonne réponse. Nicolas, hop, c'est reparti avec une question de cinéma. Je garde la main. La main gardée par Nicolas. Nous cherchons... Top 7 acteurs. Ayant prêté ma voix en 2018 à une web-série de Arte et racontant l'histoire des Shadocks, j'ai reçu le Magritte du meilleur comédien en 2014 pour mon rôle dans Une place sur la Terre. Ayant incarné Brutus dans Astérix aux Jeux Olympiques, c'est mon rôle de tueur dont c'est arrivé près de chez vous. Qui m'a révélé, Nicolas ? Benoît Poulvord. C'est lui, c'est arrivé près de chez vous. Bien sûr. Quel film ? Quel film ? La première fois, ça fait quelque chose. Oui, c'est sûr, pas vrai. Acteur belge incarnant en 2019 le génial Benoît Poulvord, le personnage principal de Raoul Taburin a un secret. Benoît Poulvord, oui, deux points. Nicolas revient. Zoé a toujours l'avantage et la main. Pour une question de santé et médecine. Oui. Quelle est Zoé ? Top ! Ensemble de mesures adoptées dès 1847 par le médecin Ignace Semmelweis pour faire chuter la fièvre puerpérale dans les maternités, j'ai été validé par les travaux réalisés par Pasteur. C'était la. La sanité. La main passe. Top, validé par les travaux réalisés par Pasteur. Ensemble de moyens destinés à éviter qu'un patient ne soit contaminé par des germes infectieux, je consiste notamment pour un praticien... Stérilisation. Non. Top, pour un praticien à employer des instruments et des vêtements ayant été stérilisés. Ne devons pas être confondus avec l'antisepsie. L'asepsie. C'est l'asepsie. Exactement, Zoé. Vous l'avez retrouvé, l'asepsie. Une question de musique à présent. L'indice qui s'affiche à la maison, rien que pour vous, Nicolas Lamain. Je regarde. Pour de la musique, c'est parti. Nous cherchons le nom de cette top cantatrice. Née en 1933, dans une famille modeste. J'étudie au conservatoire et poursuis ma formation grâce à l'aide d'un mécène. Apparaissant dans la... Montserrat Caballé. 4 points. Montserrat Caballé. Je suis acclamé au Carnegie Hall en 1965 dans Lucrèce Borgia en remplacement de Marilyn Horn, cantatrice ayant enregistré avec Freddie Mercury, je ne sais pas si vous en souvenez, oui, l'hymne des JO de Barcelone disparu en 2018, je suis Montserrat Caballé. On va se faire un petit plaisir, un tout petit instant de chant. Nicolas, c'est pour vous. Félicitez pour vos 4 points, c'est pour vous. C'était quelque chose quand même. Hein. Ah, j'avais oublié à quel point c'était fort ce duo incroyable entre le chanteur de Queen, Freddie Mercury, et Montserrat Caballé. 4 points, Nicolas. Allez, la main revient à Zoé. Belle manche, beau face-à-face. Zoé, botanique si vous en voulez. Oui. Zoé garde la main pour ce top type de plante, dont le nom vient de celui d'une divinité latine originaire de Campanie. Nous comptons des espèces sauvages considérées comme des adventices. Plantes. Céréales. Et c'est reparti, 4 points. 4 points, 4 points, 4 points. Joli. Zoé, 8 points désormais, qui a repris l'avantage sur Nicolas, vous l'avez vu. Alors, céréales, plantes dont les graines ont d'abord fait l'objet d'une cueillette avant d'être semées. Nous sommes à la base de l'alimentation humaine, de certains animaux d'élevage aussi, disait la question, appartenant, sauf le sarrasin, à la famille des graminées, représentée par le blé, l'avoine ou l'orge, nous sommes, Zoé, tout à fait les céréales. Nicolas, vous m'impressionnez tous les deux. On continue. C'est le point fort s'il n'y en avait qu'un, Nicolas. Ouais, c'est du sport. Je vais garder la main. C'est la première question sport, d'ailleurs, de ce face-à-face. Sport. Top. 17e édition d'une compétition sportive. J'ai débuté un 31 mai par un match au résultat inattendu. Mondial de football qui vit l'élimination dès le premier tour de nations telles que l'Argentine, le Portugal ou la France. Je marque le retour au premier plan de l'attaquant Ronaldo qui termine meilleur buteur, Nicolas. La Coupe du Monde 2002. C'est là, ouais, voilà. Ah ben voilà. 2002. Et Nicolas l'avait un petit peu plus tôt. Ouais. Quasiment dans les 4 points, mais la main est passée. Organisée par le Japon et la Corée du Sud, par deux pays. Remportée par le... Brésil. Face à, vous vous souvenez de la finale ? Allemagne. Allemagne, bien joué. 2 points, et Nicolas reprend l'avantage d'un point. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse, tous les deux. Zoé, sciences et techniques. Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir, Zoé. Sciences et techniques. Top innovation française, dont les modèles de pré-série, surnommés PAT, étaient développés en Espagne sous le sigle AVE. Inauguré en septembre 4...
Mais c'est pas la girafe Sophie. Non. La main passe. Top inauguré en septembre 81, j'ai été inspiré par le Shinkansen japonais, auquel j'ai ravi le record mondial de vitesse commerciale sur rail. Train inauguré sur la ligne Paris-Lyon. Je peux circuler en service commercial environ, Nicolas. Le TGV. C'est le TGV. Inspiré du train japonais, le Shinkansen. Oui, oui. Je peux circuler en service commercial environ 300 km/h, décliné en Atlantique et Sud-Est, hein, le TGV. Le train grande vitesse, TGV, oui. Nicolas s'est rapproché, attention Zoé, des 12 points, mais vous n'êtes pas loin. Mais c'est Nicolas qui va choisir la stratégie sur cette question avec cet indice de littérature. Je vais garder la même. Top, recueil de textes, publié pour la première fois en 1988 avec un succès immédiat. Mon principe éditorial a été repris dans les contextes du tribunal ou de l'entreprise. Adapté au théâtre par Jean-Michel Ribes, je suis constitué de phrases entendues dans des lieux publics, surtout dans les bars, et consignées par Les brèves du comptoir. Et la bonne réponse. C'est chaud. Eh bien, ça c'est un beau face-à-face. Ouais. 11-10. Brèves de comptoir, recueil dans lequel cohabitent humour, absurde, poésie, philosophie, parfois bêtises, brèves de comptoir. Zoé n'a besoin que d'un point pour passer à la manche suivante. Nicolas, que de 2 points. Zoé, cette fois, à la main pour une question art. Oui, s'il vous plaît. Zoé. Nicolas. Art. Top composition décorative à laquelle est consacré un centre international créé à Chartres en 1980. Je représente traditionnellement des scènes religieuses ayant la forme d'un panneau. Un triptyque. La main passe. Top, encastré dans un mur, je suis constitué de morceaux de verre colorés, assemblés au moyen de baguettes de plomb. Mosaïque. Ah non. Oh. Oh non. Ah mais non. Top, composition permet... Vitrail. C'est le vitrail, c'est le vitrail, c'est dommage. Bravo Zoé. Il s'en va Nicolas, parce que... Alors là, merci à tous les deux, parce que... Parfois, la finale... procure des sensations très fortes comme ça, mais là c'était avant la finale, c'était une finale avant la finale. Bravo Nicolas, c'était un super match. Hein. Y a des finales en sport qui procurent moins de sensations que le match qu'on vient d'avoir là. Nicolas, bon retour à Fronton. Merci. À très bientôt et avant de se quitter, ce cadeau est pour vous. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixéo, le robot de cuisine multifonction. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français? Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. Avant l'étape, la dernière étape, avant la finale, les amis, ça c'est pour vous. Une voiture familiale ou 20 000 euros et c'est le moment de jouer avec cette question. De quel instrument jouait Frédéric Chopin? Chopin, 1, du banjo, pardon, 2, du piano. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort. Ce soir, les amis, parmi les bonnes réponses, c'est vraiment le moment de jouer. Est-ce que Michel, ce soir, va gagner, lui, 50 000 euros? Est-ce que Zoé va s'imposer? Comme à l'instant, la réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, sur France. Merci, les amis, d'être avec nous ce soir. C'est l'heure de la finale entre Zoé et Michel. Bonne chance. Bravo Zoé. Merci. Joli parcours. Et Michel, allez, je le dis une dernière fois. Michel, pour lui, c'est une partie un peu particulière. Une première victoire, une deuxième victoire, une troisième victoire, une quatrième victoire enchaînée. Ce soir, c'est une partie pas comme les autres, puisque si vous gagnez Michel, vous gagnez. Bouchez-vous les oreilles. Ouais. La cagnotte de 50 000 euros. Hop, voilà. Je ne le redirai pas avant la fin de ce match pour pas rajouter de pression. Ça n'est pas la peine. 20 secondes toujours pour répondre à chaque question. L'objectif, c'est 21 points maintenant. 21 points pour gagner. Pour le second ou la seconde, il y a quand même un joli cadeau que voici. L'hôtel 4 étoiles, les Bains d'Arguin, Thalazur Arcachon, situé au cœur du bassin, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Thalazur Arcachon, une parenthèse de bien-être entre dunes et océans. Zoé, vous avez la main pour cette première question. Objectif 21 points, je l'ai dit.
indice à la maison et littérature pour le thème. Oui, je prends. Top roman français mettant en scène le personnage de Ned Land. J'ai été publié en deux parties. 20 000 lieues sous la mer. Vous pouvez répéter, Zoé ? 20 000 lieues sous la mer. La main passe. Top en 1800. 20 000 lieues sous les mers. Sous les mers. Sous la mer, Zoé, c'est un titre d'œuvre. Je ne peux pas accepter cette réponse. Je suis désolé. C'est un titre d'œuvre littéraire, Zoé, bien sûr, vous le comprenez. 20 000 lieues sous la mer, ça n'est pas le roman de Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. C'est le roman de quelqu'un d'autre. Exactement. Je l'avais aussi à Ned Land. Alors, donc je reviens sur 20 000 lieues sous les mers, racontant l'expédition du professeur Aronnax et de son domestique Conseil. Je raconte comment, alors qu'ils traquent un monstre marin en proportions gigantesques, ils sont capturés par le capitaine Nemo et recueillis à bord du sous-marin Nautilus. Vous connaissez l'histoire de ce célèbre roman d'aventure signé, je l'ai dit, Jules Verne. Bon, pas de regret, Zoé, puisque Michel l'avait aussi à 4 points, mais il s'en est fallu de pas grand-chose pour que les 4 points soient pour vous. Michel, la main, ce soir, pour la première fois, sur une question de géographie. Je vais prendre. C'est l'un des points forts de Zoé. Oui, j'ai vu ça. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Top type de relief, dont le mot d'origine serbo-croate, polier, désigne une des formes, je résulte, de processus d'érosion ou de phénomène d'accumulation, représenté par la Colline ? Non, pas la colline. Par la Djefara, entre la Tunisie et la Libye, et par la Pampa, en Argentine. J'abrite des sols fertiles. Steppe ? Non. Top et présente l'avantage d'une circulation aisée, étendue de faible relief. Plaine ? C'est la plaine. La Pampa, Argentine, c'est une plaine. Étendue de faible relief, où les cours d'eau ne sont pas encaissés, abritant la majeure partie de la population mondiale, d'ailleurs, la majeure partie de la population mondiale, est établie dans des plaines. Pleine, 2 points. De plus, Michel. Du sport, un indice et la main revient à Zoé. Je prends. Top sportif. Né le 1er juin 1957, j'ai arrêté la compétition en 1984, comme je l'avais annoncé après mon titre de champion olympique. Devenu à 19 ans le plus jeune champion de judo. Je ne sais pas. La main est passée. Top de judo, toute catégorie du Japon. Je suis resté invaincu de 1977 à 1984. Champion du monde des lourds. En 79, au dépens de Jean-Luc Rouget, je n'ai jamais été battu par un non-japonais. Considéré comme un des plus grands judokas de tous les temps. Le judo. Non, Michel, alors judoka, là, c'est non. Vraiment pour mon sport. Si je vous dis Yamashita, si je vous dis Yasuhiro, c'est son prénom. Yamashita, non, ça vous dit rien? Nous devrions connaître, mais nous ne connaissons pas. Voilà. Mais on pourrait presque écrire ça au fronton de l'émission. Ça pourrait être nous une de nos devises, Zoé. C'est un peu le... Bah, nous, on a Teddy Riner aujourd'hui. Bon, bah, à l'époque, le Japon avait Yasuhiro Yamashita. Michel, ouais. Musique ? On va prendre. Allez. Top chanson, créée en 1933 pour le film Flying Down to Rio, notamment interprétée par Alice Gentle. J'ai été composée par Vincent Youmans. Reprise. Girl from Ipanema. Non. Top en français par Tino Rossi. Mes paroles ont inspiré une version parodique devenue culte. Interprétée dans le film La Cité de la Peur. Je donne lieu à un numéro... La Carioca. La Carioca. La Cité de la Peur. Ah, oui. Gérard Darmon et... Et Chabat, et Alain Chabat. Je donne lieu à un... Vous voyez là, cette danse parodique là ? Je donne lieu à un numéro de danse exécuté par Gérard Darmon et Alain Chabat. On y est, dans le Palais des Congrès de Cannes. Hein, c'est une des séquences les plus réussies de ce film, La Cité de la Peur, portant le nom des habitants de Rio. Je suis à Carioca et on évoque cet épisode là de ce film. Petit souvenir, je pense que ça va vous rappeler des trucs. Sais-tu danser la Carioca ? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi.
carioca. Donc 2 points pour la carioca, Michel. Zoé, à vous. Avec une question de culture générale maintenant. Oui. Zoé garde la main alors que nous cherchons cette top profession. Exercée par Alexandre Sénéchal, le héros du roman « J'existe à peine » de Michel Quimp, mon nom est issu d'un mot latin signifiant « dehors ». Souvent pratiqué, Zoé ? Je ne sais pas. Non. Top. Au sein d'une même famille, j'installe et démonte moi-même l'infrastructure nécessaire à mon activité. Travailleur itinérant, propriétaire ou employé d'attractions comme un stand de tir ou un manège, j'anime des fêtes locales. Un forain. C'est le forain qui fait tout cela. Qui monte, qui démonte sa propre installation. J'anime des fêtes locales, souvent en périphérie des villes. Je suis un forain, marchand ou commerçant forain. Un point de plus pour Michel et une question d'histoire. Michel, je vais prendre. Garde la main. Quel est ce top personnage historique mort en exil à Londres en 1807 ? J'ai quitté mon île natale après que les Britanniques m'eurent évincé du poste de vice-roi que je pensais obtenir. Ayant Michel Abezé. Mountbatten ? Non, pas Mountbatten. Top, notamment exercé des fonctions de gouverneur à l'initiative de la France révolutionnaire. J'avais auparavant contribué à réformer l'économie et les institutions lorsque j'étais... Low. Non plus. Top à Corté, patriote corse, ayant lutté contre les Génois, puis contre les Français. Pascal Paoli. Exactement, Pascal de son prénom, Paoli de son patronyme. Pascal Paoli. Et un point Zoé, premier point. Et une question animaux. Oui. La main gardée par Zoé. Animaux. Petit mammifère, dont l'une des espèces est dite de Bobrinsky. Je vis dans les steppes et les déserts d'Amérique du Nord et de l'Ancien Monde. Solitaire et nocturne. Gerbil. La main passe. Je crois que Michel a... Top. Une réponse la à... La gerboise. Pas la gerbille, la gerboise. Oui, exactement. Michel était pressé de me répondre. Pour rester dans la zone des 4 points, bien sûr, on l'a bien compris. Alors la gerboise, rongeur me déplaçant par bond, je suis doté de longues pattes postérieures qui me donnent une allure de kangourou, en un peu plus petit quand même, et tire mon nom de l'arabe yarbu, Y-A-R-B-U. Je suis la gerboise. 4 points, Michel, ici, avec la gerboise et de l'art. Je vais prendre. Et une main gardée pour Michel. Nous cherchons Zoé, Michel, ce... Top musée étranger, dont le premier bâtiment fut construit par le français Valin de Lamotte. Je conserve notamment les 400 tableaux de la collection Crozat. Constitué sous l'impulsion d'une souveraine conseillée par Diderot, j'abrite le plus grand ensemble de peintures françaises hors de France. L'Ermitage. Le plus grand ensemble de peintures françaises hors de France est à l'Ermitage. C'est à l'Ermitage, Zoé, 3 points. Musée comptant environ 350 salles, 350 salles, dont la salle des concerts exposant la chasse en argent, dernier indice d'Alexandre Nevsky. Je suis situé en Russie, bien sûr, à Saint-Pétersbourg. Je suis le musée de l'Ermitage. Zoé, 3 points et 4 au total. Du cinéma, Zoé. Oui. L'indice est dans votre poste télé. Cinéma. Cinéaste américain, dont le film Osterman Weekend remporta le prix spécial du jury du Festival de Cognac en 1984. Je suis né en 1925 à Fresno. Ayant collaboré à 2 reprises avec Steve McQueen pour les films Junior, Bonheur et Le Guet-apens, je, Michel. Altman ? Non, pas Altman. Top, je montre dans mon œuvre une société en mutation, gangrénée par la violence, comme avec les chiens de paille et Pat Garrett et Billy... Peckinpah. Peckinpah. Sam Peckinpah. David Samuel dit Sam Peckinpah. Oui, Michel, un point de plus. De la cuisine. Voici l'indice. Michel ? Oh bien, on va prendre. Oui, on prend. Voilà. Allez. Cuisine. Quelle est ? Top, cette substance alimentaire obtenue à partir d'une plante du genre Capsicum. Je donne lieu chaque année, le dernier week-end d'octobre, à une fête. Paprika ? Non. Top, dans une commune des Pyrénées-Atlantiques. Vendu fraîche, en cordée ou en poudre, je relève des plats comme... Piment de... La main passe. Top comme la piperade et suis la seule épice à bénéficier d'une AOP. Piment d'Espelette. Le piment
d'Espelette qui ne voulait pas revenir, Zoé, je l'ai vu. Ayant fait la renommée d'une ville du Pays basque français, c'est délicieux d'ailleurs, hein, piment d'Espelette. Ma force, parce qu'il y a une échelle, il y a une échelle pour mesurer la force d'un piment, c'est l'échelle de Scoville. Joli, bravo. L'échelle de Scoville, ma force se situe à 4 sur l'échelle de Scoville. Je ne sais pas jusqu'où va l'échelle de Scoville. 10. Mais Michel, mais c'est fou ça. Alors 10, ça doit... Oui. Puis après, il y a des sous-nombres, ça peut aller jusqu'à 100 000. Ah bon pour, 100 000 ouais, pour des piments mexicains, oui. 100 000 100 000, ouais. Ça donne mais le 100 000, ça correspond au 10 sur le Scoville. Ah, mais il y a d'autres échelles, voilà. Je comprends. Michel vient de rentrer dans cette zone d'une bonne réponse à 4 points, il peut l'emporter. Mais tout est toujours possible, la question pour un champion, bien sûr. Zoé, mythologie. Oui. Zoé, mythologie. Top. Divinité d'origine italique, tenue en main par Anchise dans le tableau de Lionello Spada, Aîné et Anchise, nous sommes censés apporter bonheur et prospérité. Choisie par le pater familias, nous étions emportés par la famille quand elle quittait le foyer domestique car nous le protégions. Les lards ? Non. Top, le protégions. Pénates ? Les pénates. Ah, oui. Les pénates, les protectrices du foyer. Divinité romaine différente des lares qui restait attachée à un lieu précis, hein, désignant aujourd'hui plaisamment le domicile, mais pénates, nos pénates, nous sommes les pénates. 3 points, Zoé. Michel retrouve la main, il a la stratégie en main, donc pour cette question, science et technique maintenant. Je vais prendre. Nous cherchons ce top corps, simple, solide, dont le nom vient du sanskrit kulbari, signifiant ennemi du cuivre. J'existe sous différentes formes physiques à l'état solide, liquide et gazeux. Présent à l'état natif au voisinage des volcans, je trouve dans nombreuses applications industrielles, dans la fabrication des engrais, des détergents, du caoutchouc. Michel ? Le soufre ? Et la bonne réponse. Pour le coup, ça sent pas le soufre pour Michel du tout, ça sent plutôt bon même. Mais rien n'est joué. Corps simple de couleur jaune citron et de symbole chimique S à la base de l'acide sulfurique, je suis le soufre. Zoé retrouve la main. Question sur quel thème ? On cherche, Zoé, un objet. Oui. On continue avec 7. Top objet, occupant la partie gauche du tableau de Whistler connu sous le titre Portrait de la mère de l'artiste, je peux être confectionné dans des tissus épais ou transparents. Rideau ? Et la bonne réponse. C'est le tableau de Whistler qui vous met sur la voie. C'est le tableau. Oh, c'est. Je ne connais pas les objets dans le tableau, mais bon, elle est dans son rocking chair, dans son salon, alors. Donc salon. C'était et puis, assez simple. Et puis j'évoque les tissus épais et transparents, et ça suffit de vous mettre sur la voie. Bravo, Zoé, 4 points. Bravo. Je peux glisser le long d'une tringle, être retenu par une embrasse. Pièce d'étoffe placée devant ou sur les côtés d'une fenêtre, le rideau qui rapporte 4 points à Zoé. Michel à la recherche de 2 points. Avec une question télévision. Je vais prendre. Top série française, comprenant 333 épisodes. J'ai été diffusée le dimanche sur Antenne 2 de 85 à 94, ayant connu des pics d'audience en 80... Maggie. C'est la bonne réponse. Maggie, la série. 4 points, Michel. 50 000 euros. Et le public debout, Michel, pour vous. Waouh. Oh mon Dieu. Et le public debout, oh là là, pour Michel. Alors, je ne sais plus si... Je ne sais plus si j'ai dit à Michel ce qu'il avait gagné. Je ne sais plus. Michel, vous avez gagné ce soir. C'est la cagnotte de questions pour un super champion. C'est officiel, je peux vous le dire. Vous avez gagné 50 000 euros, c'est gagné. Merci. Ah, j'y crois pas. Et merci à Zoé pour ce beau match. Merci beaucoup, Zoé. Vous nous avez impressionnés, comme toujours, quand on joue avec vous. Donc, Michel a gagné 50 000 euros, mais... Son parcours à question pour un super champion n'est peut-être pas terminé. C'est lui qui décide. Les 50 000 euros sont gagnés, ça, on ne revient pas dessus, bien sûr. Mais, Michel, on peut vous proposer de repartir pour 5 nouvelles parties qui peuvent vous amener ces 5 nouvelles parties à une nouvelle cagnotte de 100 000 euros. Eh oui, 100 000 euros. Et puis après, on pourra aller encore plus loin, mais c'est une autre histoire. Michel, voulez-vous poursuivre l'aventure avec nous ? Vous avez
5 secondes pour prendre cette décision. Roulement de tambour. Et Michel nous dit que... Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais partir. Ça devient difficile de s'organiser, et puis je ne me vois pas en faire encore 5, donc je laisse ma place. Michel, un grand bravo, c'est votre décision. On se reverra, on rejouera ensemble pour des émissions spéciales, par exemple. Okay, hein. Et ça, ça veut dire quoi, Zoé? Qu'on repart ensemble samedi prochain. Zoé, un grand merci. Je vous dis à samedi dans Question pour un super champion. Michel, un grand bravo. Bonne soirée les amis. Bon week-end, prenez bien soin de vous. Les autres, on se retrouve lundi dans Question pour un champion. À lundi.